Qu'est-ce qui se passe là? Attendez. Peut-être rien du tout. Parfait. Non. Couloir inutile. Après c'est un couloir RP parce que la ville elle est avancée. Vers l'aventure. Ah merde, il y a plein de trucs que je veux re-récupérer. Je me sens obligé. Après avoir crafté autant. En plus, je peux y aller vite. Il suffit que je tue l'abeille. L'abeille lumineuse. Je lui ai pas donné la rapière de fer. Mais normalement, je peux l'équiper en plein combat, Sylvain. Faut juste qu'il joue parfois. Sylvano, joue. Oui. Équipement. Rapière d'arbre. Nice. Oh, et je peux attaquer derrière. Quel homme. C'est beau ça. Du coup, en fait, si t'as des skills. Si t'as des skills en épée et en épée à deux mains, par exemple, je peux switcher en plein truc, c'est craqué. Laisse-moi tranquille. Je suis ton collègue abeille, mec. D'où tu m'attaques? Ah ouais, carrément, on en est là. Tu me débuffes et tout. Oh, Serena, ça y est, elle est foutue. Elle va lancer obligé. Ah non. Ah merde! Trunks. Be gone! Be gone. Nye. C'est bon. T'apprendras à attaquer un frère abeille. Oh, un œil bleu. Alors, dommage qu'on puisse pas voir les trucs à looter sur la map, quoi. Donc vraiment, ça fait ça pour être chiant, quoi. Ah ouais, carrément, tu peux même couper le bazar. Ça, c'est un peu abusé. Tu fasses ça sans descendre. Puis on a là-haut. Okay. Allez l'abeille. L'abeille. Please quoi. Ah merde. Normalement je peux sauter et atteindre ça. Allez. Oui. Ouais, parfait. C'est pas si long que ça. J'arrive ma petite abeille, t'inquiète. On va juste chercher de la flotte. Allons-y. La flotte nous attend. Grotte del Flotta. Des gluants bulots apparaissent, non? Ou alors c'était un groupe de gluants bulots apparaît. Oui, ils aiment bien la magie. Alors t'as pas de... Mais si, il a. J'amusais bien que j'avais pris un truc, c'est juste un truc au fouet. Une AOE. Oh bah auto-attaque.
Putain, mais il résiste à tout, aux flammes, aux auto-attaques et aux coups de matraque dans la gueule. Putain, mais il lui restait un PV quoi. Bien joué. Ou alors ça fait des dégâts le 5. Peut-être j'ai mis 5 points de dégâts, je me rends pas compte. Je sais pas si l'autre c'est un dégât de mana ou un dégât qui compte. Quoi, lumineux, ok. Oh! C'est un Pokémon ça, non? Ah, mais là c'est pas son nez, c'est juste un cœur sur le front pour faire lent. Mais il y a un Pokémon qui ressemble à ça de type dragon d'ailleurs. Là il s'endort, c'est quoi cette arnaque? Bang. Tiens, ça fait vraiment des bons dégâts ça. Oui. Oui, ça fait des dégâts. Je peux jouer? Je peux jouer ça. Oh, ils aiment pas les attaques loin normalement. Ils ont pas pris cher mais ils sont morts. Putain, mais ça level up tellement. Petite écaille. Tiens! Nouveau mob. C'est un slime méduse. Gluant méduse. Ah, ça, y a même pas de jeu de mots, juste méduse. Ah. Du coup, le bleu, il aime pas quoi? Bon. 21. Non. Non. La glace peut-être. Veronica wins again. Ou un marteau. Ou un perso au marteau. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'il faut un marteau. Oh, fais semblant de la soigner. Véronica, la Serena, je les confondrai tout le temps. Elle a pris cher, la pauvre. Et suçant coffre. Ah, ça c'est parce que t'as pris cher, ma pauvre. Le jeu a eu pitié. Mais tiens à rien, Serpentico là, ou je sais pas quoi. Sylvando. Faut que je trouve un fouet. Non! C'était très pratique. Oh. Quel dommage. Mais du coup, plus XP. Ouais. Bon. Ah, je peux pas monter par là. On part là. Hop. Un coffre. Priorité. Ah, mais ces mobs, on les a déjà vus. Oeil bleu. On les a déjà vus, c'est les zombies fangus. Les champitox. Ah, c'est des nouveaux, mais ils ont le même skin, quoi. Juste un color swap. Non, pas ça. Ah, ok, c'est pas du poison, c'est bon. Oh, elle dormirait pas, elle les aurait finis. Bon, laisse ça à ta grande soeur. Pas ta petite soeur. Ah,
Putain, mais survivre au zéro vital. Victory. C'est bon. Il y a un point là que je retiens. Pour pas ouvrir la map à chaque fois. Merde, je fais demi-tour là. Ah bah oui. Ah du coup, il y a qu'une route en fait. Ah, dire que j'ai cru que le jeu nous offrait plusieurs possibilités. Ah, trop stylé. Oh, Tenchi qui host avec 7 viewers. Merci Tenchi. Ça s'est passé comment ta petite épopée sur Zelda en expert? Est-ce que t'as réussi à atteindre les auras? Ou est-ce que t'es mort comme une merde à travers tout le jeu? Les deux sont compatibles, totalement. Ils ne sont pas incompatibles. Crevez les mains là. Putain, mais ce poison. Sort. Attaque. Mort comme une merde, il a pas ton skill. Ah, c'est donc ça. Comment ça va? Ça va super, et toi? Je te demandais justement comment ça s'est passé sur. Sur Zelda. Linko. La légende de Link. En expert. Est-ce que tu as survécu ou est-ce que tu es mort en poule? Et visiblement, selon Elnote, tu es décédé. Ce qui ne m'étonne pas de toi. Hein. Il n'y a pas les skills, évident. Pour proposer un spectacle intéressant, mais bon, on t'en veut pas. Tu n'es qu'un scolar, malheureusement. Ce n'est pas suffisant pour avoir le même skill qu'un homme qui est un summoner, par exemple. Essaye de lancer poison, mais elle n'a pas assez de PM. Comment ça, elle n'a pas assez de PM? Par pas mal de scolars. Oh, Tarak a décidé de devenir scolar, c'est parfait. Je t'emmerde. J'ai tué des gros monstres quand même. Mais j'ai tué des gros monstres quand même. En mode... J'ai quand même fait des trucs, vous savez. Ça sonne tellement. Mais j'ai fait des chouettes trucs. Ah mais je te taquine, t'es caté. Faut mettre des auto-attaques avec Serena pour qu'elle régène mana. Mais du coup t'es arrivé où? T'es arrivé jusque chez les auras? Ah il a arrêté de taper Serpico là. J'appelle Serpico, je lui donne tellement de noms différents Sylvando. Jamais je vais réussir à lui trouver un vrai nom. Alors mets des auto-attaques pour régène ma grande. Oh t'as raté. T'es trop nul. Je lui donnerai un item. On va tuer la main de boue là. Je devrais peut-être lui donner l'item qui régène par tour. On va peut-être faire ça plutôt. Comme ça elle a pas de problème de mana. On va faire ça, allez. Si, Serpico, si il a une rapière c'est parfait. Ouais mais tu vois Sylvando en fait c'est à cause de son prénom. Son prénom il lui va pas. Mais j'avoue que Serpico ça passe. Hisoka, Bonchan. Tous ces noms passent. Non je lui ai pas donné l'item. J'ai oublié. Bon c'est pas grave, il y a que 2 sous 100, normalement je les défonce. Combat. Hélicoptère. 31-31. Enfin il a pas d'AOE celui-là, il sert à rien. Aïe. Bonne nuit Tenchi. Bonne nuit. Moi je compte un peu avancer dans cette ville et puis m'arrêter. Du coup si je retire ça, je vais mettre... Capuchon de voleur. Oh, en partie le visage. Et quiconque le porte. Why not, mais non. Chaîne en or. Ou alors je vais mettre la bague de l'autre...
qui permet de faire plus de dégâts. Et où? Bague de choc. Et notre cher ami, je lui mets la région. Bonne nuit. Encore un point là, putain j'oublie à chaque fois où sont les points. Un nouveau mob. De type gros coquillage sur la tête. Ah! Arrêtez, c'est pas gentil. Soin régulier sur Serena. Alors je respecte pas mes alliés non plus, je les soigne pas, mais à un moment je les soignerai quand même. Bon allez, son impartiel. Toi tu peux juste faire crame en fait. Ah mais elle a empoisonné depuis tantôt aussi, j'ai oublié de la désempoisonner. Meurs. Serena devrait avoir assez de mana pour lui retirer le poison. Oui. Neuf. Mais il ressemble tellement à rien ces vieux. Aïe. Véronica, pardon. Relève-toi. Voilà. Le truc c'est qu'ils vont level up et puis après on est bien. Ah elle est énervée. Elle est énervée, ça y est. Petit régène. Petit régène. Il s'est healé le connard. Meurt. On dirait Ramu mais en fou. J'avoue. J'avoue c'est Ramu qui est fou. Ramu. Mais j'aime bien comment tous les ennemis dans ce jeu dansent tout le temps. Ils sont tout le temps en train de danser, tu vois. Ils sont là. On est des méchants. Tout le temps. Tantôt c'est les cactus qui dansaient qui m'ont fait délirer. Mais pourquoi tu... Oh, tu lui as mis la main à la poitrine. Le vieux pervers. Combo d'équipe. Eh bah tu sais quoi, bénédiction. Il est nous les frères, les sœurs. Merci. Oui. L'Albe Hill. Full vie, full mana. Enfin, il est avec des régènes. Super Saiyan. Oh, Super Saiyan, l'hélicoptère va faire mal. Mais je devrais pas les tuer pour que le Rajen ait le temps de healer. Ils sont tous morts. Ah non, c'est bon. On va attendre un peu que les gens Rajen avant de les tuer. Merde, je dis ça et je les détruis. Premier soupe. Ah, il s'est healé. Il va pas mourir tout de suite. On va faire défense, allez. Pour que Véronica régène un peu. Aïe, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû le tuer. Et voilà. Veronica wins again. Ah bah Serena elle level up. Du coup full vie, full mana. Faudrait que je fasse un point sur les compétences aussi après. Je pense avoir gagné pas mal de points. À taper quelques grenouilles. 13. C'est bien ça. Ah, un combat avec 5 mobs, ça va faire gagner beaucoup d'XP. Aptitude, sort, crame, cramer les grenouilles. On va finir les grenouilles du coup. Exécrable. Exécrapeau. Oh, ça les a même pas tous tués. Genu. Mais d'où je dors? Il a pas un truc pour réveiller les gens, lui? Coup de fouet. Ah bah essayons. Merci.
La défense augmente légèrement. Ah merde, la défense qui augmente, c'est nul. Tornade. Sur les crapauds. Blabla. Il a paralysé l'autre. Je crois que le suissant prend mal. Ah non, merde. Je pensais vraiment que le suissant prenait cher sur les... sur les attaques de vent, c'est pas le cas. What? C'est beaucoup trop, ça meurt. Non, j'ai dit meurt par contre. Elle a pas assez de PM. Elle a voulu relancer le spell, mais elle avait pas assez de PM. La suissant. Bon, elle est décédée. 71, elle a mis à Serena. La pauvre magie. Heal-toi, Serena. Oui, c'est bon, il faut lui. Wouah, 61. On peut grimper par là. Hein. Ah non. Si. Yes. Le coffre en priorité. Baguette férique. Ah, c'est peut-être un up ça. Non. Baguette lanterne plus 3. Ah merde. C'est 10 fois mieux. Le poupouette. Poupouette. Putain, mais ça vient de commencer, tu demandes du renfort. Bah, personne n'est venu, c'est quoi. On va peut-être faire un combo d'équipe. Champ qui augmente amplement la puissance d'attaque de toute l'équipe. Essayons. Ah, j'ai pas encore vu ce champ. Buffet. Deux stacks en plus. On va voir les attaques qu'on va faire. Par contre, c'est un buff d'attaque physique, j'imagine. Ah, quoique. Ça a fait beaucoup de dégâts. Hein. On va le savoir tout de suite. 34, c'est pas mal. Je vous laisse, bonne nuit. Bonne nuit, Taraziel. Tarazay. Désolé, j'ai cru que c'était un L à la fin. Bonne nuit à toi. Merci d'être passé. Tu as appelé ton perso Fly par rapport au premier Dragon Quest ou le manga Fly? Par rapport au manga. En fait, j'expliquais au début. Wouah, elle a mis une patate à 14 avec le buff. Easy peasy. Le perso, c'est Trunks et Fly en même temps dans mon cœur. Et tout le monde sait que c'est Trunks. Je l'ai appelé Fly parce que j'expliquais au début que... Moi la saga Dragon Quest, je l'ai pas faite. Comme j'ai pas fait les Fire Emblem. Donc c'est la seule que, on va dire, je connais quand même. Hein, parce que je me renseigne sur les vidéos. Mais si, je l'ai jamais faite. Et vu que le seul truc de Dragon Quest que j'ai expérimenté, c'était le manga. Dis-moi, c'est Fly, hein, le héros. Meilleur shonen en vrai, hein, Fly. Meilleur shonen. Il a tout ce qu'un shonen a besoin d'avoir. Putain, mais 14, elle met des patates, hein. Avec sa petite baguette. Bah oui, tout le monde aime le manga Fly, il est trop bien. Il est trop bien. C'est déjà plus où il y a... Ah, c'est par là. Et ici, voilà. Quel loot. Et chevaux célestes. Ça, c'est très bien. Encore des vieux partout. Faut pas aller vers le campement. J'irai lire. Ouais, très très bon, gars. Après, il est vieux. Mais c'est Akira Toriyama. Et c'est le shonen de base, en fait. Genre, tout ce qu'il y a dans les shonen... Les trucs, même les trucs les plus bateaux sont dedans, mais c'est bien écrit, c'est bien narré, en fait c'est tellement bien fait que c'est bon en fait. Putain, mais les mecs m'ont fait une embuscade quoi. Mais non, mais laissez-moi tranquille. Oh là là. Oh, Véronica, meurs pas, please.
Véronica, sois healée. Putain, mais laissez la petite survivre. Cramons les crapauds. Il est aussi vieux que moi. Putain, mais arrêtez d'empoisonner toute l'équipe. Tornade. Mais arrêtez les coups de langue. Ça ne m'intéresse pas. Laissez mon innocence tranquille. Putain, mais la suçant. Il faudrait une AOE heal, mais j'en ai pas. On va faire premier soin. Oh, Véronica. Premier soin, c'est suffisant. Ouh, le critique! Tu réchapperas pas à ça. Ah, Silver Hand qui level up. Normalement, il devrait plus être empoisonné du coup. Magie. Anti-poison. Ah, si, toujours. Le jeu respecte pas. Premier secours sur Véronica. Tout le monde est full vie. C'est bon. Nettoyeur. Décerné pour avoir vaincu 700 monstres. Eh ben, j'en ai tapé du mob. Je confesse, j'ai tué 700 monstres. Certains étaient des animaux qui n'avaient rien fait. Pardon. Je confesse tous mes péchés. Pardon. 700 fois, pardon. Il n'y a pas besoin de crafter. Avançons. Hop. Là, je suis passé entre les deux, ils m'ont même pas aggro. Bah, j'ai entendu le ting-ting, mais... Oh, c'est lui le méchant. Il a l'air tout gros, tout dégueulasse. Alors, moi, je passe juste. Hein. Ouais, je passe juste, regarde. Hop. Et quoi par là? Y'a pas un loot? Si. Laissez-moi tranquille. Graine de magie. Vous n'aurez jamais le temps de m'avoir. Vous m'aurez jamais. Merde, je pourrais pas repasser. Non. Hop. Hop, hop, hop. Trop rapide pour eux. Salut. Oh, y a un panneau. La Fonte Sacra est dans cette direction. Accès interdit sans autoriser. J'ai une autorisation. Si je dis que j'ai une autorisation. En vrai, il a l'air tranquille. Hein. Il m'agresse même pas. Je peux passer par là. Ouais, je peux passer par là. Bonjour. Merde. Il m'a attaqué. Pourquoi j'ai reçu la cam? Pourquoi il m'a attaqué? J'ai rien fait. En vrai, il n'y a aucune raison. Torpeur. Non. On va faire une AO. Tu vas prendre cher. Ah bon? Ne t'inquiète pas. Découpe-le. Sort. Et finalement, la défense. Aptitude anti-magie empêche un groupe d'ennemis de servir de la magie. Bon, légèrement, toute équipe. On peut booster la vitesse de toute l'équipe. Comme ça, on joue plus vite. Alors, on va voir les dégâts. Pareil, mon gars. Bla. Aïe. J'avoue, ça fait mal. Ah ouais, alors je mets combien sur celui de gauche maintenant? 52, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de les debuff. Du coup maintenant, on va focus lui. On va debuff l'autre. Et là on est bon. On peut mettre une protection sur Véronica qui a pas de PV.
Ça, si elle prend une patate, elle meurt pas. Et ça va, on dirait qu'il focus le même pour essayer de le tuer. Ah non. Ah! Focus le même, hein, je vous l'avais dit. On va mettre une régène sur Fly. Fly continue à DPS. Bon, elle aussi, elle peut commencer à DPS. Régène de 19. Premier secours, je pense pas qu'il y a besoin de faire soin partiel, mais bon, on va quand même faire soin partiel pour être sûr de mettre full vie. Et c'est bon. On va peut-être mettre des régènes sur tout le monde pour healer les dégâts des zones. Ils sont quand même, ah ouais, souvent présents. Faudrait peut-être j'en endorme un. Bon, ouais, c'est bon en fait. J'ai burst through les dégâts, j'ai fait assez de dégâts en fait pour en avoir rien à foutre. Voilà. J'aurais pu en endormir un, mais au final j'ai juste... Ma strat de faire des dégâts était meilleure. Pourquoi je retirerais quand même, il y aura pas de cutscene. 700 XP, nice. Veronica level up. Méga altération, nice. Est-ce qu'elle va pouvoir debuff tous les ennemis de défense? En AOE? Des buffs de défense à haut, ce serait vraiment bien. On va voir un peu les points de compétence depuis le temps. Quoique, après. Là, j'ai la flemme. Ah, le jeu. Le jeu. Je réponds pas. Au secours. C'est bon. Le jeu répond. L'eau. This will be perfect for making birdsong nectar. Serena recueille l'eau de la source et la combine à divers ingrédients secrets pour confectionner une fiole de nectar du rossignol. There we are. Waouh, le flacon. Now, let's head back. Elle a aussi crafté le flacon. C'est placebo, on dit. Là, il reçoit le nectar du rossignol. Mais tu pouvais le garder, le nectar, t'es avec moi, c'est bon, pas besoin de me le donner. Pas récupérer de l'eau. La fournée est remplie d'eau claire comme du cristal. Mais loot de l'eau, c'est peut-être utile. Oh là là. Useless as fuck. Bon, téléportation. Ah, Gandalia. Ah, je viens de remarquer quand on se TP en bas, il y a la liste des services de la zone. Genre s'il y a une auberge, s'il y a un magasin d'armes et tout. Jusqu'à présent, dans toutes les villes, il y a la même chose. Quoique, à Yoto, quelque part, il y a un sauna, mais c'est pas vraiment un service. C'est plus RP, le sauna. Wouah, c'est la fête! Really got going while we were away. Oh, this is just too exciting. I can't wait to see the first contestant take the stage. Listen, boys, I want front row seats for this, so let's get organized. You two go and muscle your way to the front of the crowd and save us a space. Meanwhile, me and the girls will go put a song back into little Placido's throat. I can't wait to see his happy little face. Ciao for now. Ok. Pourquoi c'est toi qui parles avec les filles? So we get lumbered with the grunt work again, huh? Whatever. Ouais, ça c'est parce que tu boutes trop, mon cher Eric. Faut que je trouve aussi la sœur de l'autre, je vais jamais la trouver. C'est où? Catalogue de quêtes. En cours. Ah ouais, ça c'est normal. Hakim vous a demandé de porter une lettre à sa sœur Akia qui travaille dans une pâtisserie de Gondolia. Faites-le voyager et retrouvez-la. La pâtisserie de Gondolia. Tu nous as
pas encore... Ah, blah, tu nous as pas encore trouvé de place pour rester au concours. Tu ferais bien de te secouer. Sinon, tu seras... Toutes les meilleures places seront déjà prises. Bah, moi, j'ai trouvé Aka d'abord, d'accord. Pardon, tu ne sais pas où a lieu le concours. Eh bien, je ne pense pas trop m'avancer en disant que dans la grande scène installée sur la grande place de la ville, ça devrait te donner un indice, non? Ah, c'est bon. Pourquoi tu me parles comme un enfant? Et la pâtisserie de cette putain d'île. Toi, tu es Aka. Non. Toi, tu es Aka. Merde. C'est bloqué. Ah, c'est bon. Merde, ils ont bloqué plein de routes avec leurs conneries. Ok, ils ont bloqué plein de routes pour que, en fait, t'es obligé de faire le truc pour le moment. Parce que c'est la fête. C'est ça? Je vais juste vérifier. Ah non, je peux y aller par là. Meilleure pâtisserie. Mais tu sais pas où est la meuf? Ah, mais tout le monde est réuni sur la rue, personne n'a regardé. Mais dis-moi où est la boutique, tu vends des pâtisseries. C'est en face. Est-ce qu'il y a un endroit qui ressemblait à une pâtisserie pendant que je fouillais? Aucune idée. C'est juste pas une pâtisserie ça. Ça c'est l'auberge. Peut-être elle. Aujourd'hui, nous avons eu un client à la langue très très longue. Il a acheté toutes les pâtisseries de la boutique, je me demande qui c'est. Mais c'est toi la sœur! Ah non, c'est elle. 100% c'est elle. Prégo? Je suis Aka, une aide de mon frère? Non, je m'appelle Aka et je n'ai pas de frère, tu te trompes avec ta locutrice. Si Aka travaillait ici avant, mais plus maintenant. Senerananta, elle est partie. C'est bien dommage car elle était douée. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un meilleur travail, je crois qu'elle est au service de Dogger et Danto à présent. Alors, je l'ai croisée aujourd'hui près de chez le Dogger. Elle semble molto molto occupée. Si la vois, dis-lui ciao de ma part. Et merde. Elle est près du Dogger. Ok. Allons près de la maison du Dogger. Salut. Placido, où es-tu mon lapin? Tu n'as rien à craindre, c'est moi, Sylvain. Ne t'inquiète pas mon chou, nous trouverons Placebo et nous lui ferons avaler d'une gorgée ou deux de nectar de rossignol. Pendant ce temps, Eric et toi devraient aller nous trouver une bonne place pour admirer le spectacle. Oui, laisse-moi trouver la meuf d'abord. Merde, je peux pas atteindre... Ah si. Il faut... Que je fasse le tour... Oh putain, faut que je fasse le tout grand tour. Un peu chiant ça. Salut. Je suis certaine que Placebo est quelque part par ici. Quand nous l'avons laissé, où est-il venu aller? Enfin, il était quelque part par ici. J'ai hâte qu'il retrouve sa voix, tout ça. Ok. Ça y est, je suis perdu. En plus, avec cette musique. Laissez-moi tomber. Bon. Par là. Il y a une quête que j'ai envie de faire rapidement, comme ça elle est faite. Et vu que c'est la fête, toutes les rues sont bloquées et c'est compliqué. Je vais peut-être y arriver par là. Ne paniquez pas, j'y suis presque. Alors elle devrait être par là. Et toi? Tu me cherches une jeune fille appelée Aka? Eh bien, je m'appelle Aka. Crois-tu que je suis celle que tu cherches? Oui. Plais moi, mais la maître d'Akim. Oh, et tu me rapportes une lettre d'Akim? Mille fois merci. Je la lis sur le champ, voyons voir. Ma très chère Aka, comment vas-tu? Mais c'est ta lettre, elle est privée, pourquoi tu la lis? Oh. Ma très chère Aka, comment vas-tu? J'espère que ton apprentissage de la pâtisserie ne t'épuise pas trop. Et je suis sûr que tu t'en sors très bien. C'est vrai, tu n'as jamais rechigné à la tâche, même lorsque tu étais toute petite. Maintenant que les moments difficiles de notre vie passée sont derrière nous, j'espère que tu profites pleinement de ta liberté. Nul doute que tu deviendras une pâtissière accomplie. Joins à cette lettre quelques pièces d'or, j'espère qu'ils te faciliteront un peu la vie. Il me tarde de te revoir et de goûter un de tes délicieux gâteaux. Avec tout mon amour, Hakim. Oh, pauvre Hakim, il a dû faire tant de sacrifices pour économiser cet argent et de l'envoyer. Je dois lui répondre. Attends un petit peu si t'as... Non, je veux pas... Je suis pas un facteur. Oh, les 4 FedEx, salope. Oh, putain.
On voulait finir la quête. Faut que j'aille voir Hakim. Merde, qu'est-ce qui se passe? J'ai joué tellement longtemps que le jeu a du mal à charger la suite. Bon, j'irai voir Hakim, c'est bon, j'ai compris. C'est bien ça qu'il faut que je fasse. Retourner au poste, ouais, ok, d'accord, c'est compris. Bon, allons trouver une place. Santo cielo, what an handsome pair. I think I have never seen such luscious hairs. Molto splendente. Bien sûr, c'est parce que je suis un Saiyan. Surely you are entering la competizione, see? It's such a waste if you not take part. Listen, Gramps, I know we're easy on the eye, but we don't have time to be. C'est le méchant! Does that guy look familiar to you? C'est pas Jasper. I had thought to search the town for you while the citizenry were occupied with this idiotic spectacle. But no. Instead, you choose to saunter up and greet me in broad daylight. Brazen fools! T'inquiète, j'ai level up depuis la dernière fois. People of Gondolia, listen and listen well. I, Jasper, Knight of Heliodor and trusted retainer of His Majesty King Carnelian, come before you to tell you that the very Darkspawn himself is among us. The bedeviled child who brought about the destruction of Dundrasil. Oh, this is not good. Let's get out of here. Bouh, menteur. On peut pas le tuer simplement. J'ai des AOE maintenant. J'ai plus peur. Et merde. Come quietly, accursed one, and I may not be inclined to make you suffer. Jamais. Oh man, we've done it now. Nice combat. On va pouvoir se venger cette fois. C'est facile. Ah merde, il faut que je l'équipe. Chaîne en or, ce sera très bien. Non mais je veux dire équipement. Parce qu'ici il a rien. Alors qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Défense. Boudoir est parfait. Hein. Je crois que c'est en or, ça donnait PV max. Allez. Voilà, c'est juste pour lui mettre un truc. D'or. Regarde ton stream et me fais spoil. Non mais regarde pas si tu veux jouer au jeu. T'inquiète pas, je ne t'en voudrais pas. Ah ouais. Wouah, ils ont survécu à ça. Ah, ils ont un level hein. Aïe. Aïe. Aïe encore. Par contre lui il a pas d'AOE, il sert à rien. Bon bah tape celui-là hein. Mais aïe! On fout des spoils sauf pour FF14. Ouais, ça je comprends. Après FF14, ça reste à un moment. Mais l'histoire, c'est vrai qu'elle est agréable. Putain, mais ils veulent pas décéder. Oscure! D'or! Nice. Après, il lui reste 45 PV. Eric meurt pas. Faudrait que je le soigne en vrai. Faudrait que je le soigne, sinon il va mourir et ce serait trop chiant. Remettre puissant, allez.
Dans ce jeu, quand il meurt, c'est la merde. J'ai hâte de la 4.4 parce que je me fais chier dessus. Ouais, t'inquiète, 4.4, on va tous rejouer à FF14. Mais moi, c'est comme ça que je joue au jeu, hein. C'est-à-dire, je joue à FF que quand il y a des patchs qui sortent, on joue un peu, on clean tout. Moi, je clean tout très très vite. Je me bisse et puis après, on joue à d'autres jeux. Il y a tellement de bons jeux. Rester sur FF pendant des mois et des mois, c'est pas possible. Là, la 4.4, on va s'amuser. Après, il y aura l'extension, du coup, on va jouer jusqu'au début de l'année, hein, un peu avant même. Mais quand il y aura Kingdom Hearts 3, par exemple, on ouvre là tous très vite FF14. 117, c'est beau. Ah oh, merde, c'est réveillé. J'aurais peut-être dû le laisser endormi et l'attaquer d'abord avec le psy. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Another one bites the... 468 points d'XP, c'est pas rien. Damn it. They just keep coming. Your pathetic resistance will get you nowhere. Yield and spare us the... Yield? I don't think so, honey. You leave my friends alone, or I'm going to have to teach you a lesson. Yeah, honey. Trop stylé. Who are these imbeciles? And how did they get past the guards? Hadouken! Imbeciles, you say? We'll soon see who's the stupid one. Ouais, vas-y, montre-leur. So you have friends, Darkspawn. Not for long. Fan out, men. S'en va comme ça. Par ici. Psst. This way, quickly. Comme si on n'avait pas nous remarqué. Ah bah oui, on nous remarque pas. Ah, vraiment inutile cet homme. Merde, il utilise ses yeux. C'est de la triche aussi s'il regarde partout. Ouais, mais c'est lui les ombres. Oh. What are you doing? I bought you some time. Use it. Mais il est con. Mais lève-toi, on prend des coups tout le temps, on a qu'à te soigner. Mais non! Du con! Ouais, là maintenant par contre c'est de la merde. Et c'est ainsi... De toute façon on l'utilisait pas. De toute façon il était pas dans l'équipe des 4, c'est bon. Mais il patrouille toute la ville. Allez, opération sauvetage. Il faut sauver le soldat Eric. We were lucky to get out of there, you know? But we didn't all make it out. Poor Eric, he... Oh, I can't imagine what they'll do to him. Oh, don't worry, sweetie. Eric's tougher than he looks. I think. Je crois qu'il... Bon, il est peut-être dans la merde. That Jasper was talking some nonsense though, huh? I mean, why call the one who's trying to beat the Dark One the Darkspawn? Honey, that's just confusing. C'est parce que je vous ai tous trahis. He isn't really the Darkspawn. That's just what the King of Heliodor thinks. It's all some terrible misunderstanding. Ouais, ou quelque chose comme ça, mais je crois qu'il est très bien au courant, mais qu'ils sont possédés par les engeances du démon. I'm ever so sorry, Sylvando. We should have explained all this to you earlier, but well, so much has been going on. T'as bien vu que le mec Jasper, il a fait une balle ombre. Serena réfléchit. Oh please, there's no need to apologize, darling. Darkspawn indeed.
As if a lovely little thing like you would go around with someone like that. Oh. Oh, Sylvando. Quel beau parleur. Now, are we gonna stand around? Oh, j'adore les poses qu'il fait. Action, huh? Let's sneak up to that bridge in the middle of town and see if we can spot where they're keeping Eric. Be quiet as mice now, and use the buildings for cover. The streets are crawling with soldiers. Metal Gear Action. C'est l'air automatique. Dépôt. C'est bon. Allez. On va se cacher et essayer d'atteindre l'objectif. Quoi, jusqu'où? Le pont. Le pont sur le centre de Gondolia. Où est-ce que se trouvent les soldats? Ils m'atteindront jamais. Vite! Merde, c'est bloqué par là. Par où est-ce que je dois passer? Merde, faut que je fasse tout le tour. Fuck. Mais je peux pas passer par là. Faudrait que je descende, que je passe sous le truc. Ok, j'ai compris. On a droite. Vite, faut passer par là qui regarde pas. Ta 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 ta. Non. Au secours. Il y a des soldats partout. Ils bougent pas eux. La maison. Meilleure idée. Ne t'approche pas, mais ta gueule. Merde. Ils m'ont pas vu. C'est bon, c'est bon. Oh mais ce sneaking. Cache-toi derrière le tonneau. C'est bon. Merde. Attends. Faut aller par où là? Traverser le pont. Monter. Aller à gauche. Ok. À quel moment je peux passer? Non. Ouais. Faisons tout le tour. Je ne suis pas l'héritier de Snake pour rien. Merde. Maison. L'auberge. La meuf de l'auberge, j'en avais rien à foutre que je sois là. Et moi d'aller sur le toit. Un livre. Je l'ai peut-être déjà lu. Mais oui, MGS, c'est la meilleure chose au monde. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon Discord MGS. Sur mon Discord, MGS, c'est méga sûr. D'ailleurs, faudra que je te passe mon Discord, vu que tu joues à FF. C'est un Discord que j'avais fait pour toute la communauté FF14. Y'a Tenchi et tout dessus. Et vu que MGS, ça fait Metal Gear Solid, mais qu'en même temps, MGS, c'est aussi méga sûr. Bah j'ai appelé mon Discord méga sûr. Et même sur Twitch, quand les gens ils follow, j'ai mis le tag méga sûr. C'est même la voix d'Oslot que j'ai quand ça follow et quand ça sub. Avec Brother. It's been too long. Et aussi. That's you. So you're the one that the boss keep talking about. Non. Non, ouais. Et je suis fan de MGS depuis le premier. Bah c'est parfait, moi aussi j'adore. Et on atteint le pont sans aucun souci. D'ailleurs j'avais fait une soirée, je me rappelle, où j'avais fait MGS 1 en un seul rush de 5 heures. J'avais pas fait en Big Boss par contre, ça faisait trop longtemps. Mais j'avais une époque où je faisais du speedrun sur le 1. Mais là, j'en suis plus capable. Ça fait trop longtemps. Je me rappelle des routes, mais le combat contre le ninja. Et certains combats de boss sont tellement chiants.
en extrême, en tout cas pour pas mourir sans déshydratation et tout. Bref, qu'est-ce qu'il veut encore ce con? Or you can stay hidden and see what happens to your friend. Ils vont le brûler. Something tells me he's not the patient type. We'd better get to Eric before things turn nasty. Ah, there's a gondola stop off to the northwest near the contest stage. We could sneak up close to them from there. Peut-être. Let's hop on a gondola and glide on over. Genre, ils vont pas nous voir en gondole, quoi. Ah, on va juste sauter de là. Sauter. Cool. Au moins, j'ai pu sauter. Comment on atteint la gondole? On va juste par là. Oh, ces soldats plus aveugles que les soldats dans MGS. Attends, le RP de la gondole. La gondole, c'est en marche arrière. Bon, le RP, c'est compliqué quand même. Ah merde, c'est occupé ici. Attends, le RP de la gondole, on a dit. C'est bon. Des pots. Ah, des tonneaux en l'occurrence. Ah, ils sont vides. Les loups des tonneaux respawnent pas, c'est tellement nul. Doucement. Ok, allons sauver Eric. Cartman. Pas du tout. Still you fail to find him. Imbeciles. Search again. And do not return empty-handed. It's now or never, my loves. Time to enter from stage right and save the day. Bonjour, connard. Finally, you scurry into the light. You rats think to gain the advantage by ambushing me while I am unguarded. Combat. Double épée. Jasper approche. Or sache que me déplacer, je le ferai pour te rendre fou. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Désespéré, tu seras de combattre des cons comme moi. Ah ah! Qu'est-ce que je peux faire? Des couples, oh! Pas attaquer direct. Hein. Alors, méga altération réduit légèrement la défense de tous les ennemis. Ouais, bah, on va faire juste altération. Cool. Et elle, qu'est-ce qu'elle peut faire comme debuff intéressant? Augmente l'agilité de quelqu'un, la protection. On va accélérer Fly, comme ça Fly le défonce. Partout des attaques dont il est la cible. Merde. Vraiment? Et le feu du coup. Ah, pas forcément. J'ai juste une chance de parer. Ah, il prend tellement cher. On l'a tellement encerclé, il sait plus où donner de la tête. Ah, 40 quand même. J'ai pas un sort plus puissant pour le fun. Anti-magie. Oh, je peux le muter. Non mais ça va rater en vrai. C'est un boss.
Et il dit à plus de midlife. Quand c'est dur, je crois qu'il est plus de midlife. Ouh, 40-60, ça fait mal. Ça va, ça va. L'anti-magie, ça a raté sur les personnages les plus importants. Oui. Ah, mais normalement, elle peut pas lancer de spell. Voilà ça. Aptitude, par contre, elle peut normalement. Est-ce qu'il a encore des buffs? Je crois pas. Hein. Moi, je suis encore buff. Mais je vais me rebuff. Comment on fait pour soigner? J'ai oublié, c'est ça. Putain, cherche le spell de soin tout en tout. Et les, ça fait mal ça. Oh, et ça fait mal. Elle est toujours mutée. Ça me fait chier. Auto-attaque. Soin partiel sur Sylvain, donc il faut qu'il survive. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, elle peut lancer des spells. Altération. Altération. Un peu de heal. On va mettre soin régulier sur lui-même. Faut juste que Serena joue là. C'est bon. Elle soigne Sylvando et normalement le combat va être terminé. Il reste plus rien. Ah putain, mais tellement ça m'a tellement rien fait. 83. Et voilà. Les debuffs, hein, la meilleure chose qui existe. J'espère être vaincu. Chaque montre des vivres. Ah, 2000 plus d'eau et 2000 points d'XP. Des vrais stats. Nouveau sort appris. Le sort de soin partiel. Oh, même Fly peut healer. J'avais combien de points de compétences? 10. Non, c'est pas beaucoup. Brought to my knees by you vermin. How could this happen? Oh, Eric, are you all right? Here, let me untie you. What devilry is this, Darkspawn? By what trickery did you manage to overcome Sir Jasper? It matters not. You have had your fun. Now accept your fate and give yourselves up. Où est mon navire? All right, this is gonna seem crazy, but just trust me, okay? Geronimo! True to form, the rats leap from the sinking ship. So much for your faithful friends, Darkspawn. Now, this ridiculous farce has gone on long enough. All that remains is for you to choose how it ends. Elle est stylée ton armure en vrai. J'aurais dû la looter sur son cadavre. Surrender to me? Or entrust your fate to the sharks that circle beneath. Oh! Sir Jasper, look! Hmm? Ah. Wouah, c'est plus qu'une barque!
Yoo-hoo! How's that for a dramatic entrance, huh? Introducing the Salty Stallion, the finest oh, ship to ever sashay across les talons du sel. The les talons du sel. Il l'a dit, le Salty Stallion. Be a darling and pull over to the quayside so my friends can hop on, will you? Oh, le meilleur nom de navire du monde. Right you are, Silver. J'aime bien comment les esclaves ont des masques de taureau. Maintenant j'ai compris, c'est des esclaves. En fait. All aboard. Get them. Ah, mais genre, c'est la petite qui galère à monter, Jasper, alors qu'elle est légère comme une plume. Bet you didn't see that ending coming. Ooh, I do love a twist. Parfait. What are your orders, sir? They're getting away. Repêchez vos camarades et faites they pas chier. C'est pas un ordre, ça, du coup. Made it, and by the skin of our teeth, we owe you one, Sylve. Oh, don't be silly, darling. Dave is the one you need to thank. It's his steady hand on the helm that steered us out of the jaws oh, of danger. Sa maîtrise de la barre. Oh, stop it, Sylve. I'm just doing my job. No need to. Oh, blimey, what the exact? Fuck! C'est Is-8 all over again. Bazelgeuse, il dit. C'est oh, mon Santa. Oh my goodness! It's disgusting! Ah. I told you you would not get far. Enjoy your journey to the ocean floor. Now, my dear Tentacular, welcome your new friends to the loving embrace of the deep. Un combat de boss. Here it comes. Oh non, c'est une cinématique, non? I'm too young and beautiful to die. What's that noise? Oh les tentacules! Éloignez-vous de ce navire! Those are Gondolian merchant ships. What are they? Fire! Aye aye! Look, they scared it off. The noise of the cannons frightened it away. Hi, hey, hi. Hi. He's safe now. Si, bene, bene. That monster always is harassing the ships in this area. Molto irritante. Hey, it's me, Placido. Listen, I can speak now. I have wow. Back my voice again. C'est Placebo. The boy, he tell me everything. He tell me it's you who cure him. And also, he convinced me that you are no darkspawn. That is no you who curse him in this way. He explained everything to me. Scusa, amici. I have done to you a great disservice. Pas de problème, Dogo. Some days ago, I play outside the town and I observe Sir Jasper talking to the monster. He's scary, so I make a little scream. He hear me and curse my voice so I cannot speak about what I see. It was horrible. Le salaud.
So I learn that the one they call the Darkspawn saved my boy, and the noble knights of Eliodor, they consort with the monsters. What does it all mean? I cannot understand. But I know that you I cannot are understand. And an hero must please do not panic. Please try not to panic. We cannot understand, but monsters are evil. So please, go away from my land. Darkspawn! T'as une grosse voix. Today you were lucky, but your luck will run out. And when it does, I will be there. Things won't be easy for you now. Tout le monde s'en fout ce qu'il a dit. They don't like that. Don't let him grind you down, you hear? Arrivederci, spaghetti con condola, pastrami. È stile il navio. We live to see another sunrise. We're blessed. Blessed, I tell you. Oh, Dave, I forgot to ask. Have you heard any little birdies chirping about a merchant buying something called the Rainbow over in Gallopolis? Ils ont encore changé le nom même du mec qui pilote le bateau qui est à la barre du bateau de Silvando, quoi. Oh, I have visited up in Silver. Word on the grapevine is the fella what bought it headed over Svardrust way. This really isn't just a game to you, huh? Friends, shipmates, amigos, Svardrust and the Rainbow await. Svardrust! Forward! Northeastward! The Stani beckons! J'aime bien Serpico. Et Silvando. Eh bien, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Levez l'ancre, décernez pour embarquer à bord de l'étalon du ciel, le bateau de Silvando, afin de partir à la recherche du rameau hérissé. La branche, quoi. Naviguez en haute mer, l'heure est venue pour les marins d'eau de prendre la mer. Vous pouvez amarrer les talons du sel partout où une icône d'encre figure sur votre carte. Lorsque vous êtes prêt à reprendre la mer, adressez-vous simplement à Gorgonzola. À Gorgonzola. Pour votre voyage inaugural, pourquoi ne pas faire cap vers Svardrust au nord-est. Du coup, retourner ici, c'est une mauvaise idée. Ouah, trop stylé. On peut accélérer. Et il y a la map. Et du coup, en fait, je dois aller tout là-bas. Oh. Tout là-bas, tout là-bas. Ben allons-y. Et puis on va sauvegarder. Trop stylé. Ah, combat! On se fait agresser. Wouah! Y a les mini ramus qui viennent et les mini sages possédés. Ou les. Les salauds. Par contre, y a un mini slide dans la zone. Wouah! J'ai des dégâts, hein. 41, je les ai pas. What? La glace. Ça a pas suffi. Merde, il chuchote. Non! Retape lui. Ah! Trop fort les mobs. Je me suis trompé. Ah non, c'est bon. J'ai tapé les bons. Pourquoi l'un a pris 33 et l'autre 14? Aucune idée. Aucune idée. Mais il y a une petite île ici.
Alors why not débarquer là? Est-ce qu'il y a un camp? Insula Australis. Non. Lion de terre sacrée. Mais le bateau est tellement craqué. Bon, il est plus grand que l'île elle-même. Il est plus grand que l'île elle-même, quoi. Bon, remontant dans les talons du sel. Et est-ce que je peux retourner dans la ville? Techniquement, les mecs sont partis. Bah ouais, les mecs sont partis. J'ai la flemme d'aller jusqu'à la ville suivante. Je vais sauvegarder ici. On la découvrira la prochaine fois pour gagner du suspense. Du suspense. On va s'arrêter là. J'ai pêché, j'ai pas été RP, ma sœur. Je suis revenu dans la ville où je suis censé partir. J'ai pêché, pardonnez-moi. Pardon, ma sœur. Voilà, ce fut mon péché aujourd'hui. Je n'en recommencerai plus. Ah. Eh ben, faut en trouver des péchés à chaque fois qu'on veut sauvegarder quand même. C'est pas facile. Hein. Pas facile. Retour à l'écran titre. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà.